Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. San Siro, la forteresse du Milan. Quel bonheur de voir ce stade aux couleurs des Rossoneri. On en a même manqué le coup d'envoi. Allez, j'ai hâte de voir comment on va jouer Patrick Vieira. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir avec lui. Oui, un joueur de ce calibre fait souvent la différence. Quelle puissance. C'est vrai, mais il a aussi un vrai talent pour débuter les attaques. On va voir ce qu'il propose aujourd'hui. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Il s'est retrouvé sans solution, aucun mouvement, aucun soutien autour de lui. Et Coutinho. Oui, c'était bien cela, mais c'est mieux quand c'était fait. C'était malin, mais c'est loupé. Bien servi. Cristiano Ronaldo. Oh, le gardien est là, la classe. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. La bonne interception. Là, c'est Milan. Qu'on aimerait bien connaître un peu mieux. Parlez-nous de cette formation d'arène. C'est clairement une équipe de contre. Avant, seules les équipes dominées jouaient comme ça. Mais ce n'est plus du tout le cas. Un ballon récupéré peut très vite se transformer en occasion de but. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bonne interception. Il y avait danger. Le jeu repart vers la droite. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a mis toute sa puissance de cette énorme frappe. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Bien, ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. C'est bien, la passe à 10, il faut essayer d'être plus dangereux. Quelle passe! Et il jaillit pour prendre ce ballon. Philippe Coutinho, ça peut partir en contre. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il est... Oh, c'est chaud! Il a pris tout le monde, il tire! Oh, ça touche la transversale! Oh, le bon ballon. C'est joué long. Oh, Cristiano Ronaldo. Neymar, qui a de la liberté. C'est bien donné. Il s'échappe. Coutinho. Il se fait pardonner. Et ce ballon sur l'aile. Cherche un coéquipier dans l'axe. C'est dégagé, très bien. Oh, attention. Hors jeu. Oh, Cristiano Ronaldo. Un long ballon vers l'avant. Vieira. Il faut faire les bons choix. Oh, voici Philippe Coutinho. Mahrez. Interception. C'était chaud. Quelle lecture du jeu. La faute. L'ouverture lumineuse. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. S'il le trouve... Voici Mahrez. C'est joué long, attention. Voilà une passe décisive. Oh, l'interception. C'est centré. C'est dégagé. Il décide d'allonger le jeu. Bon jaillissement, il fallait intervenir.
Ça passera sur le côté. C'est une occasion, ça. Et il marque. Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Le jeu reprend sur un score de parité. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Bon service dans la profondeur. La bonne passe. Oh, le contre, l'arme fatale. Il cherche son coéquipier. Bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. L'assistant lève son drapeau. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Moi je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour faire la différence. Vivons la suite. On parle, mais le jeu a déjà repris. Énorme occasion. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Bien, un peu de répit. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Vira. Il cherche la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il peut frapper. Attention. Un centre encore. Et pourquoi pas, très fort, très bien, ça soulage. Coutinho. C'est bien fait, ça. Faut frapper, là. Oh, c'est dedans. Oh, il marque encore, égalisation. C'est incroyable, ils reviennent encore au score. Quelle volonté. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il se démarque bien, fait le bon appel. Et sans défenseur en face, c'est trop facile. It's a piece of cake. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Eh bien, on savait que ce match serait serré. Et ça se confirme. Ça n'a pas pu aller plus loin. C'est joué long, c'est dangereux. Dans la profondeur. Oh, l'attaque. Il était dessus, mais ça n'ira pas plus loin. Oh, voici Neymar. On ne sent pas vraiment les attaquants concernés par le repli défensif. Non, mais à mon avis, ils ont surtout envie de jouer le contre. Oui, ça se tient. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Ils tentent de la jouer dans l'espace. C'est reparti, ils peuvent contrer. Seul face au gardien. Oh, c'est chaud là. Il va frapper. Dessus. C'est donc un double changement, un par équipe. C'est repoussé. Filippo Inzaghi. C'est joué dans la profondeur. Le bon dribble. Et il cède sous la pression. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. C'est osé. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant.
Oh, voici Kane. C'est joué long. Il essaie Coutinho. C'était bien joué, dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. C'est Milan qui essaye de construire. Inzaghi. Philippe Coutinho qui est marqué de très très près. Eh ben dis donc, niveau marquage, il ne rigole pas. Dans la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Non, il est signalé hors jeu. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Exact. Philippe Coutinho. Oh, voici Kane. Il continue de progresser. C'est joué dans l'espace. Kane. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, Cristiano Ronaldo. Bonne intervention. Ruben Dias. Il va falloir trouver des solutions maintenant. Allez, à l'abordage. Ils peuvent le faire. Occasion peut-être pour Rashford. Quelle intervention de Marquinhos. La passe dans la profondeur. Pizzi. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Il la remet. Bien, la profondeur. Il reçoit le ballon. Gabriel Jesus en retrait. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Ça joue long. Il est bien placé. Philippe Inzaghi. Quelle inspiration, ça manque de précision. C'était bien vu, dommage, le geste n'est pas génial. Vira qui joue long. Vira, il relance côté droit. Faute là. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépille. Et nous aurons peut-être manqué d'un tout petit brin de chance dans les moments clés de cette rencontre. Ce qu'on retiendra malheureusement, c'est la défaite. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. J'ai trouvé qu'ils ont été trop vulnérables dans l'axe de la défense. Pour moi, ce sont leurs faiblesses dans cette zone qui leur...
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Oui, il peut frapper là ! Mais pourtant, il avait été parfaitement servi. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Ce sera le premier corner du match. Le Panathinaikos, que vous avez souvent vu jouer d'arène, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une équipe avec un collectif bien rodé. Ce qui m'impressionne, c'est les mouvements sans ballon. On a l'impression que tous les joueurs essayent sans arrêt d'apporter des solutions aux portes de balle. C'est bien donné. Bien, la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Quel timing dans l'interception. Il décide d'allonger le jeu. Dembélé, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Oh, le bon ballon! Le jeu repart vers la droite, il est bien passé. Et c'est un corner. Mendy qui cherche une solution. Il peut tirer. C'était chaud. Raphaël Varane. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Il faut faire les bons choix. C'est joué loin. Oh, l'occasion. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis. Mais tu aurais pu être précis dans le dernier geste. De se dégager. Quel jaillissement! Rabiot, la bonne interception. Maradona. Mata. Ça passe à côté d'un rien. Ah, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. C'est joué long. Matuidi. Dembélé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, la grosse occasion. Maradona. Il y a du mouvement. Rabiot. C'est joué long, attention. Le bon dribble. Neymar. C'était une énorme frappe. Voilà, c'est tout simplement beau. Dans l'intention et dans la réalisation. Le jeu reprend, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il peut frapper. Passe.
qui est récompensé de son pressing. Brozovic. Le contre, l'arme fatale. L'arbitre signale une faute. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Koscielny, quelle intervention! Oh, voici Dembélé. Juan Mata. Il cherche la profondeur. Mais il paraissait bien seul aussi. Dans la profondeur, bien vu. Oh, voici Kane. La passe dans la profondeur. Oh, attention! Attention à la frappe! Il était dessus, mais ça n'ira pas plus loin. Oh, voici Dembélé. Bruno Fernandes, Rabiot, ça joue long. Aïe, il peut s'en vouloir. Dans la profondeur, il allonge le jeu. Ça peut être dangereux. Ça rentre. Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. C'était limite, 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 mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Le jeu reprend. Maradona. Et petite faute là. Il cherche son coéquipier. C'est joué dans l'espace. Il est passé. Il tente sa chance. Matuidi. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score blanc partout. Rien n'est joué. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Et la seconde période est lancée. Hernandez. Oh la maîtrise, quelle bonne heure pour les yeux. Service dans la profondeur. Le ballon dans la profondeur. Ça passe dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention à la frappe. Ça peut partir en contre. Voici Maradona. Il y va tout seul. Mendy. Ça joue long vers l'avant. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué dans la profondeur. Mais c'était bien arrivé, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Hernandez. S'il le trouve, elle ne résiste pas au contact. Stopper l'attaque adverse. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Ça joue long. Ça, c'est une interception parfaite. Bruno Fernandes. C'est joué, une pénétration, attention! Jeu apparemment.
C'est donc un double changement, un par équipe. Danilo. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Un long ballon vers l'avant. Quelle passe! La passe en profondeur pour Maradona. Mendy allonge le jeu. Bien, la profondeur. Gabriel Jesus! C'est un arrêt important, ça! Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau! Bien vu. Va-t-il en profiter? Le drapeau ne s'est pas levé. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. C'est osé. Brozovic. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça n'était pas présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Dégagé loin. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il se rattrape bien. Oh, voici Kane. C'est joué loin. C'est une occasion, ça. Oh, c'est chaud. Rabiot. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il cherche la profondeur. Il frappe au but. Un peu d'air pour la défense. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Oh, voici Kane. Dommage. Rabiot qui se touche la jambe, il a quand même l'air de souffrir. Son entraîneur a l'air un peu inquiet là. Ce serait un coup dur s'il devait sortir. Bon, ça va. Plus de peur que de mal, visiblement. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué dans l'espace. Il est tout seul. Le bon dribble. Dans la cage. Brozovic. Quelle fait du bien cette interception. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Bruno Fernandes. Ça peut être très gentil. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Le bon ballon. Oh, bonne lecture, intercepté. Ça peut faire mal. Il est renvoyé par le poteau. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. Avec Rashford. Le ballon dans la profondeur. Il peut tirer. C'est fini, le match est terminé. On s'est régalé jusqu'au bout dans ce match très serré. Bien sûr, il y a eu des défaillances en défense. Bien sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Ce match a donc livré son verdict dans les derniers instants. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt, salut.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. El Monumental dégage vraiment quelque chose de très spécial. River Plate pourra toujours compter sur son public. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. On a quand même un gardien légendaire dans les buts. Vous parlez d'Oliver Kahn, j'imagine. Et bien sûr, quand on a une légende comme ça dans les buts, on est forcément plus rassuré. Griezmann, c'est joué long. Lukaku. Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Premier corner dans cette rencontre. Bien, bonne intervention. Allez jusqu'au bout. Magnifique. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. C'est mal dégagé. Oh, la frappe! Oh, quel arrêt! Oui, il était bien concentré. Bravo! Danger repoussé pour le moment. Saoul qui cherche à construire. Alaba qui sent la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Mané. Ça, c'est une interception parfaite. C'est une sortie de but. À la barre. Long ballon dans le sens du jeu. Mané. Ça joue long. C'est bien donné. Bonne interception. Il y avait danger. À la barre. Voici Saoul.
ou que ça va partir vite. S'il le trouve, c'est joué long. Attention, c'est un bon mouvement. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien servi dans la profondeur. Et non, hors jeu. Griezmann, ce ballon bien dosé. Piqué. Vieira. Pizzi. Il a un peu de liberté. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Mahrez, bien servi sur le côté. Dans la profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. La passe dans la profondeur. Ils obtiennent un coup franc. Il allonge le jeu. Oh, le bon ballon! Il prend sa chance! C'était presque au fond! Quelle occasion! Ça joue long vers l'avant. À la barre. La longue passe. Mané! Sur la gauche. Il a trébuché sur cette intervention. Voilà une bonne occasion du contre. C'est bien fait ça. Quel timing dans l'interception. Nelson Semedo qui a un peu d'espace. Il a stoppé l'attaque adverse. Il est bien placé. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. C'est récupéré. Griezmann. Bonne course, côté droit. Profondeur, bien vu. Bien joué ça. Va-t-il en profiter? Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Il cherche la frappe. À côté. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et c'est reparti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Ça peut être extrêmement dangereux. C'était une bonne intervention. Arnold qui cherche la profondeur. Attention au centre. C'est bien repoussé par la défense. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Bien, la profondeur. Oh, le contre, l'arme fatale. Philippe Coutinho. Pizzi. Allez, ça doit faire but. C'est bien intercepté. Saoul, il décide d'allonger le jeu. C'est joué dans la profondeur. Pizzi. Il
sent vraiment bien en place, comme vous dites. Encore une passe captée. Coutinho. Il tente de la jouer dans l'espace. La frappe, attention! Quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Oh, voici Lukaku. Griezmann. C'est joué dans l'espace. Reprise. Et c'est un but! Yes! Go! Et voici peut-être le but dont ce match avait besoin. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Coup franc. La défense est très solide. Excellent repli défensif. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. C'est vrai, Grégoire. Oh, l'occasion! La parade spectaculaire! Oh oui, superbe! La passe est précise. Il est bien placé. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Il allonge le jeu. Allez, ça peut faire mal. Il enroule. Et cette tête! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Bien, un peu de répit. Allez, c'est dangereux! Il va s'en charger, il est fort pour frapper des corners. Ça va fort comme ça. Quelle occasion, attention! Quel geste de classe! Ça manque un peu de précision. En tout cas, il assure le show. C'est joué long. Avec Rashford. Il allonge vers l'avant. Ça ne passera pas. L'arbitre signale une faute. Vira. Il joue en profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il est passé. Le soutien derrière lui. Piqué qui choisit le côté gauche. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il faut bien tourner, mais ça manque de verticalité. Bonne lecture de la trajectoire. Griezmann. Il tire. Il y a danger. Oh, c'est chaud. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Et ce corner à la rémoise. À la barre qui centre. Il ne se pose pas de questions. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Ballon en retrait, ça échappe à tout le monde.
dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Le ballon dans la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pizzi. Il cherche la profondeur. La longue passe. Il reçoit le ballon. Maintenant, le coup de tête. Et ça fait but. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça lui donne un but. Ouais, le coup de sifflet final. Le match est terminé. Une défaite, c'est dur bien sûr, mais ils peuvent être fiers de leur prestation aujourd'hui. Ils ont vraiment livré un match de très haut niveau. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Les joueurs avaient l'air particulièrement tendus aujourd'hui, comme s'ils avaient peur de perdre devant leurs supporters. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, il tire ! Magnifique ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Excellent repli défensif. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué long. Attention. Oh, la frappe ! Il est envoyé. Et c'est passé en but. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Oh, il y a danger. Point d'intervention, ça pouvait créer le danger. La frappe. Oh, ça passe.
passe tout près du poteau gauche. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dembélé, il a de l'espace. Ce contre peut très bien aller au bout. Skriniar, qui était encore une fois parfaitement placé. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire ? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Attention là. Bruno Fernandes, qui choisit le côté gauche. Ça joue à gauche. Cristiano Ronaldo. Il ne résiste pas au contact. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il cherche la profondeur. Ça joue long vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, dans l'axe. Il remporte son duel. Avec Figo, Martinez. Quel timing dans l'interception. Le bon dribble. Matuidi, la relance côté droit. C'est joué dans la profondeur. Bien servi. Il relance côté droit. Ça peut être extrêmement dangereux. Oh, Cristiano Ronaldo. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça joue long. Interception, c'était chaud. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Cristiano Ronaldo. Mais la défense pousse un rouge de soulagement. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Golan qui veut se projeter dans la profondeur. La tentative. Rabiot. Bruno Fernandes. Dembélé qui récupère ce ballon. C'est joué là. Cristiano Ronaldo. C'était bien joué, dommage. Quelle vista, quelle vision du jeu, ce petit ballon piqué en profondeur. Bien, la profondeur. Quel jaillissement. Bruno Fernandes. Dembélé. Avec Brozovic. Il a trébuché sur cette intervention. Rabiot. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. C'est joué long, c'est dangereux. Dans la surface. Il peut frapper. Il tente sa chance. Et il marque. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré. Et ça se confirme. Lukaku. En la profondeur, bien vu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Cristiano Ronaldo. Nainggolan qui cherche la profondeur. Rabiot. Bruno Fernandes sur la gauche. Ça revient dans l'axe. Il est servi. Figo. Faut que ça va partir vite. Il cherche la profondeur. Ça manque de précision, dommage. Il allonge vers l'avant. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes.
qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. C'était une première période très agréable. On a eu deux buts, deux occasions. Et tout reste à faire dans la seconde partie. C'est donc le moment de souffler un peu et de préparer la seconde période. On rappelle le score, un partout. La seconde période a donc déjà débuté. La passe en retrait vers son défenseur. Brozovic. C'est joué dans l'espace. Il y a danger. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Alors ce sera un coup franc à la limite de la surface. Brozovic, il va chercher un coéquipier dans la surface, ça paraît plus simple. La passe est précise. N'Golan ! Des deux coups. Dans la surface. Un long ballon vers l'avant. Skriniar. Le ballon dans la profondeur. Il la remet. Neymar. La passe dans la profondeur. Bien donné, plein axe. Il est passé. Et ils peuvent être soulagés sans ce mauvais contrôle. Ça aurait pu aller au bout. Ah, c'est quand même dur pour lui. Une petite erreur et c'est toute la contre-attaque qui tombe à l'eau. Quelle passe! Oh, voici Dembélé! Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Oh, il espérait ce ballon. Long ballon dans le sens du jeu. N'Golan. Il allonge le jeu. Dans la profondeur, il est servi. Attention, la frappe! Il manque pas grand chose là. Quelle occasion! Le jeu repart vers la droite. Dembélé qui est bien placé. Et ce ballon devant le but! Oh, il a pris des risques, il sera un coup franc. Attention quand même à ne pas multiplier les fautes, ça pourrait leur coûter très cher. Oh, bonne lecture, intercepté. Perisic, attention, c'est dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Voilà une bonne occasion de contre. Il joue sur sa gauche. Oh, Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. La longue passe. Oh, il faut frapper. C'est joué long. Et c'est directement récupéré. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Le bon dribble. Oh, la frappe. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang-frais. Les voici avec un but d'avance. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître d'œuvre. Nouveau centre. Un grand dégagement le plus loin possible. Perisic. C'est bien, il faut continuer comme ça. Comment? Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Face monter seul, face au gardien. Oh, l'occasion! Et le gardien est présent! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Ça joue à gauche. Avec Rashford.
Andreva. Martinez. Le ballon dans la profondeur. Il peut frapper. Il marque. Quel retour. C'est un match de folie. Incroyable. C'est comme s'il refuse tout simplement la défaite. Seul face au gardien, ça fait mouche, forcément. C'est clair, il n'a pas tremblé, il est allé au bout de son action. Bravo. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. Revoilà les deux équipes à égalité. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Bonne intervention, il y avait danger. La profondeur, bien vu. Quelle location, attention! Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas! Rabiot. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Lukaku! Bien, la profondeur. Coup de sifflet, hors jeu. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Rabiot. L'interception au bon moment. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Ouverture lumineuse. Rabiot. Dans l'espace, bien vu. Oui, il peut frapper là. Oh, incroyable ce but. Que c'est important de marquer à cet instant. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. La faute. La longue passe. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils l'ont laissé filer ce match. Ils menaient au score, ils se sont relâchés à l'arrivée. C'est une défaite. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est normal de vouloir gagner devant son public, bien sûr.